Bonsoir amis internautes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver dans la rubrique Bio des écrivains, une rubrique qui fait la promotion des écrivains à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jean-Marie Adiafi. Jean-Marie Adiafi est né à Béthier le 1er janvier 1941 et est décédé à Abidjan le 15 novembre 1999. Il est un écrivain, scénariste, cinéaste et critique littéraire ivoirien. Parlant de ses études et de sa carrière, il fait son cycle primaire au village, ses études secondaires à Bingerville, puis voyage en France où il obtient son baccalauréat. Adiafi s'inscrit ensuite à l'Institut des hautes études cinématographiques, puis effectue un stage à l'Office de coopération radiophonique où il sort en qualité de réalisateur de télévision et de cinéma. Il étudie le cinéma à l'IDHEC, puis la philosophie à la Sorbonne avant de l'enseigner dans son pays natal qui est la Côte d'Ivoire. Il publie son premier recueil de poèmes, Yale Sonan, en 1969. Son roman, La carte d'identité, 1980, réflexion sur l'aliénation africaine postcoloniale. De retour au pays natal, il s'installe à Abidjan pour exercer son métier à la télévision ivoirienne. Il n'approuve pas les conditions de travail dans cette structure et retourne en France en 1966 pour préparer sa licence et sa maîtrise de philosophie à la Sorbonne. Il y obtient son CAPES et retourne à nouveau en Côte d'Ivoire en 1970 pour enseigner la philosophie dans divers lycées, collèges, dont le lycée classique d'Abidjan. Son œuvre. Adiafi commence sa création littéraire en 1969 par la publication de Yale Sonan. Puis, après plus d'une décennie de silence, reprend sa production en 1980 en publiant La carte d'identité et d'éclair et de foudre, un recueil de poèmes. Suivront d'autres recueils de poèmes, mais aussi plusieurs romans et un essai. Ainsi, issu d'une formation de réalisateur de cinéma et de télévision, mais aussi enseignant de philosophie, Jean-Marie Adiafi s'affirme surtout en littérature, se hissant comme l'un des écrivains ivoiriens les plus talentueux et les plus novateurs. Il présente une écriture éclatée. Le mélange du genre ou le genre sans genre, comme il se plaisait à qualifier lui-même sa littérature, d'où le qualificatif de Nzasa. Cette étoffe résultant de l'agencement de plusieurs morceaux de tissu multicolores. Il tient également de la culture Agni sous le titre général de Asona Atin, la piste de la libération. Cette littérature est axée sur le projet d'une trilogie, le roman, la poésie et le théâtre. Mais seuls deux axes ont été réalisés. Le roman avec La carte d'identité, Silence, on développe, et Les naufragés de l'intelligence, et la poésie comportant deux titres, La galerie infernale et D'éclair et de foudre. Le troisième recueil devrait porter le titre de Al Loré de Ma montagne de Kaolin. Toutefois, Yale Sonan et La légende de l'éléphanto, un conte pour enfants publié en 1983. Ne font pas partie de cette trilogie. Il est l'auteur de Yale Sonan, Paris a paru, promotion et édition poésie, en 1969. En 1980, La carte d'identité, Paris a tiré. En 1980, D'éclair et de foudre, Abidjan, édition Seda, c'est une poésie. En 1983, La légende de l'éléphanto, livre de jeunesse, Abidjan, édition de l'amitié. En 1984, Galerie infernale, aux éditions Seda, c'est une poésie. En 1992, Silence, on développe. Ivry-sur-Seine, Dakar, Nouvelle du Sud, roman. En 1996 encore, Lire, Henri Conan Bédier, Les rêves de la graine. Abidjan, Netter, c'est un essai. Et en 2000, Les naufragés de l'intelligence. Abidjan, aux éditions Seda. Il a reçu des prix.
et distinction. Il reçoit le prix littéraire d'Afrique noire. Viendront ensuite D'éclair et de foudre en 1980, puis La galerie infernale en 1984. Silence on développe en 1992. Attaché à la modernisation religion africaine, il est le créateur du thème boussonisme, néologisme désignant un génie auquel est rendu un culte. En 1981, grand prix littéraire d'Afrique noire pour la carte d'identité. L'an 2000, prix Bernard Dadier pour Les naufragés de l'intelligence à titre posthume. En 1991, chevalier du mérite culturel. Voilà. Merci de rester fidèle à Bio des Écrivains. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime.